Et voici notre baraque à frites et bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va découvrir Food Truck Simulator. Et non, ne vous enflammez pas trop, ce n'est que la démo, le jeu sort au mois de septembre. Je vais certainement avoir un accès à la playtest et je le ferai en vidéo aussi, ne vous inquiétez pas. On y va de suite en faisant une nouvelle partie. Je surveille ce jeu déjà depuis un long moment. C'est les mêmes créateurs que Gas Station. Là, on va contrôler notre petite baraque à frites. Apparemment. West Side. Paul Garage. Alors, il y a un système de réparation du véhicule. Il y a un système de conduite et tout. C'était la dernière compétition, ok. At least he had one last victory. And now what? The truck is a mess. Maybe there's something in this album I could use to help me. D'accord. Ted was always so good. Pas toujours été bon pour ça. Bon pourquoi? Il avait l'habitude de dire seulement moi pour conduire ce truc. Il parle vite lui, non? All right. Let's get to work. Mettons-nous au travail. Alors, comment on avance? Parti déjà. Je n'ai pas lancé le jeu, la sensibilité. J'ai juste pris le temps de baisser la sensibilité. Alors j'espère que tout sera bien. Ouais. Pardon. Votre PC. Personnalisation. Vous pouvez personnaliser votre food truck. Donc voici notre camion tout neuf, hein, je tiens à préciser. Nous venons de l'acheter. En fait, c'est une épave, on l'a volé. Ah ouais, gratuit. On va se mettre comme ça, hein. c'est flashy. Hein. Là, ça a l'air bien, là. Ben ordure, quoi. Décoration. Ah ouais, c'est bien, ça. I love that food boy. Non, merci. On va mettre ça. On va attirer tout le monde. La teinte. Du fond. On va essayer un petit bleu là. La couleur que j'aime bien mettre. Saturation. Voilà. Merci beaucoup. Je veux un bleu moi. Comme ça. Pas un bleu clair, un bleu foncé. Oh, c'est beau. Les roues. Gratuit, acheté. Ah, c'est des roues crevées. Après, on a d'autres roues. Alors, qu'est-ce que ça peut donner, les autres? Je ne sais pas, un style, peut-être. Êtes-vous sûr? Bah, bien sûr, on va acheter ça. Installer la nouvelle machine à griller. Faut faire l'intérieur aussi, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, machine à griller. Gratuit, hein, on prend tout ce qui est gratuit, nous. Hein. Nombre d'emplacements, 4. La barre est cassée. Au-delà de toute réparation. Ouais, on est obligé d'acheter, de toute façon. Allons-y, achetons. Nouvelle recette. Les frigidaires, maintenant. Ouais, il est un peu légèrement cassé. C'est parce qu'on a pris le virage un peu rapidement tout à l'heure. Je suis pressé pour commencer la vidéo. D'accord, ok papa, il n'y a pas de souci papa. Pas de souci. Interagissez avec l'album. Where is my album? Dad always made these trips so fun to go on. D'accord. Il aimait vraiment conduire, je ne comprenais pas pourquoi. Clara nous a toujours aidé. Parfait. Ça, c'est les recettes, d'accord. D'accord. Niveau photo. La dernière compétition de papa, c'était un grand jour dont il faut se rappeler. Victoire parfaite. Papa devant son PC. Il n'a jamais vraiment aimé les ordinateurs. Papa en train de régler le gris. Il s'est électrocuté, papa est parti. Voilà. Trouvez la carte dans le garage. Alors, la carte, elle est là-bas. Est-ce qu'on a autre chose qu'on peut faire? On puisse faire... Oh, le tableau de Phasmo. Faut remettre l'électricité.
Établi de Phasma aussi. Collectibles. Des pièces de collection comme celle-ci sont réparties sur toute la carte. Vous pouvez les collecter avec votre food truck. Vous roulez dessus simplement. Les collecter permet de débloquer de nouvelles décorations pour votre garage ou des personnalisations pour votre food truck. Restez attentif. Pas de soucis. Oui, la carte dans le garage, mais j'ai trouvé, elle est là. Alors, vous pouvez consulter votre carte quand vous le souhaitez, soit en interagissant avec elle dans votre garage, soit en appuyant sur M. La carte vous indique quand la boutique et les points de vente ferment et ouvrent. Chacun d'entre eux a une icône qui leur est propre, qui lui est propre. D'accord, donc le point d'approvisionnement de Clara. Yes. I remember this shop. I guess old Clara is still in the business. La vieille Clara. Mais tu peux parler plus lentement, s'il te plaît, là. Hein? C'est le matin chez moi, là. Il est tôt, hein? C'est allé la radio dans le food truck. J'ai envie de danser aujourd'hui. Alors, on avait fait ça, on avait fait amélioration, radio. Acheter, c'est gratuit. Mais on va la mettre. Vous pouvez écouter la radio tout en conduisant. Appuyez sur. Ok, page down pour changer la station et page up pour éteindre la radio. Ok. Oh, on a un coup de téléphone. Vas-y, décroche, Maurice. Allô, Clara? I was wondering where you were. Oh, Clara, it's good to hear your voice. I wanted to thank you for doing all this for your dad. You know I'm always here to help. Yeah, I know. I appreciate it a lot. I actually have something to get you started. Take a look at the shop tab on your PC, and you'll see what I mean. Interagissez avec votre PC. Everything's on the house for the moment. But remember, boutique. Alors, commission de la mission pour le moment, mais n'oublie pas que c'est une partie très importante. Je vais dire, mais vous parlez trop vite, j'ai pas le temps de lire. En plus, l'avance, je l'économiserai. D'accord. Donc, c'est comme Gas Station. Il y a des moments où les prix sont hauts, des moments où les prix sont bas. Le mieux est d'acheter quand les prix sont bas. Logique. Est-ce qu'on prend 8 de chaque? On tente comme ça. Épuisé. En fait, on doit tout prendre jusqu'à l'épuisement, c'est ça. Les deux gaz. Ok, après on aura des frites, des bouteilles d'huile, de la mayonnaise. Oh, la mayonnaise et ketchup. Oh. Donc tout ça, c'est acheté, je vais commander. Oui. On va attendre 5 minutes, temps de la remise. D'accord. Ça feels like a lot already. No wonder Dad always seemed so overworked. Oh, j'avais trop bien le bruit de la batterie. Hein. Franchement. Monter dans le food truck. Allons-y. Puis je sais pour passer à la troisième personne. Alors, on laisse les phares allumés. La musique, ils avaient dit, on pouvait l'éteindre nous là, parce que... Non, sud-est-ouest, la représentation de la boutique. D'accord. Oh, la tais-toi, c'est trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. Allez, on va aller chercher le... Driving around with Dad was always so fun. On va chercher nos pains en burger. Nice. Oh, ça a du mal à tourner là. On va se mettre en vue intérieure, je pense. Les phares, nous allons les éteindre. Alors, faut pas chercher la qualité graphique. Hein. Nous sommes sur un jeu style Gas Station. Je passe. Merci. Le petit chien qui nous fait des signes de tête. Il est si mignon.
Comment on peut y aller par là-bas? On n'a pas de minimap par contre? Pas du tout. Ils avaient dit sur M. Nous sommes ici pour aller là. Ok, on peut prendre la prochaine. Donc gauche, gauche. Gauche. D'accord. Ok, pas de soucis. Il a comment dans le magasin? En plus, c'est marqué là. Allez, je veux passer. Attention, c'est moi qui passe. Le rond-point. Juste après, on va y faire attention. Serenity Park. C'est où Dennis et moi used to play when we were kids. Surtout bien prendre le rond-point hein, à chaque fois. Hein. Ok, pas de sens interdit non plus. Comme là, on n'est pas en sens interdit. Oh, le petit coup de frein à main là, écoutez-moi ça. Collecteur d'or. Ok, donc on ramasse. C'est quoi ça? Sélectionner un lieu de stockage, étagère, frigo, freezer. Ah, les steaks au frigo. N'oublie pas si tu veux qu'il reste frais plus longtemps. Compris. Ensuite. Réglé automatiquement. Les pains au frais aussi? Hein? Depuis quand? Freshness is very important to the quality of your ingredients, and it decreases slower or faster depending on where you store them. J'aurais mis ça sur les étagères, moi. De toute façon, c'était la mission, je crois. Depuis quand on met des pains au frais? Non, mais n'importe quoi. Ok, ça marche, ma petite vieille. That deal I had with your dad still stands. Oh yeah, I remember. I'll try to By the way, you know the one you and Dennis used to play lots of people. Regardons la map. Je veux pas tourner. Mince, ça c'était tout pas ça picon. Alors attention, on va pouvoir faire nos premiers hamburgers. C'était juste derrière. On y va comme ça, on s'en fout hein. Pardon madame, monsieur, excusez-moi. Je suis nouveau, c'est ma première journée, commencez pas. Allez par là. On arrive comme des fous. Hop là. Oh pardon monsieur. Veuillez m'excuser. Pardon. On va ouvrir la baraque à frites. Ouais, toujours un petit coup de Swiffer. Alors, oula, ça, attends. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider, ok. Il veut un cheeseburger bacon. It'll make everything much nicer. Great idea. Y a trop de trucs hein. Un cheeseburger, comment on fait un cheeseburger? Madame, s'il vous plaît. Allume la radio. Pourquoi allume la radio? Now look at the monitors inside your truck. They have all the information you need about the orders and the recipes inside. Cheeseburger bacon. En cliquant dessus, on voit exactement. D'accord. That is gonna make things so much easier. I knew you'd like it. And now, turn on the grill. Mais il faut beaucoup de trucs. Appuie sur le bouton rouge pour allumer la machine. Là? Clara, it's not working. Right. You need to take the gas bottle first and put it in the gas machine. Application de désactivation en appuyant sur le bouton. Qu'est-ce qu'elle me dit la vieille là? Prends la bouteille de gaz, c'est ça?
Tout d'abord, objectif actuel. Quoi ? Attends, lâche-moi ça. Ah, mais je suis bête. Je vais mettre là-dedans. Pas du tout. Pas souvent oublié le gaz aussi. Mm-hmm. Donc maintenant qu'elle est pleine, we need to have a bottle in hand. Mais si je veux la prendre, appuyez sur le bouton rouge pour allumer la machine. Ah oui, mais d'accord, faut mettre la bonbonne ici pour pouvoir. D'accord. Je sais qu'il fallait la mettre ailleurs. Cuire la viande. Alors, pardon, attendez, faut. Faut faire attention, hein, l'hygiène. Franchement. Voilà. Il va nous falloir combien? Un steak seulement. On peut pas préparer le pain. En attendant. Comment on fait? Couper le pain en deux. Il est coupé déjà? C'est d'abord l'objectif actuel. Je vais cuire le bacon aussi. Ah, mince. Oh, ça brûle, ça brûle. C'est bon, il est sauvé ton truc là. On pose là, ok. Et la boîte en burger, placez-la sur la table d'assemblage. On va y arriver, hein. Ouais, c'est la boîte d'assemblage. Table d'assemblage, c'est ici. Bacon moyen. Ok. Il nous faut ça. Est-ce qu'on peut le mettre directement? Clic gauche. Left bouton. Left shift. Ah, d'accord! Mais je lisais pas aussi. Alors, prenez l'ingrédient que vous souhaitez, mettez-le sur la planche à découper. Utilisez W et S pour faire tourner le couteau et A et D pour changer l'angle de la caméra. Oh, mais non. Alors d'accord. C'est bon là? Easy enough to do. Good work. Now you have to grill those. And remember, the bottom bun always goes first. In the meantime, why don't you start cutting the tomatoes? Oh yeah. Faites griller les pains. Oh là là, Mazette, et une heure pour faire un hamburger. Bah alors, imaginez-vous une commande. Elle est à toaster. Vas-y, cuis, toaste-toi. La planche à découper, il faudrait la mettre juste à côté, ça serait. Pain grillé. Pain grillé. Parfait. Alors maintenant, couper les tomates en 5 tranches. Tomate. Alors on va faire ça. En 5 tranches. 1. 2. 3. 4, 5. Non, pour moi c'est bon là. Là, ça fait 5 tranches là peut-être, non? I don't need all of them. I should put the others back. You need to quoi? Ouais, mais attends, je vais poser. Pose la noix de coco ici s'il te plaît, mettre le pain en bas de la boîte à hamburger. Donc le bas. C'est lequel le bas? C'est celui-là, je crois. La boîte, on va la mettre là. Bien d'assembler la recette fromage viande. Alors le fromage viande bacon tomate. Pour combien de tranches de tomate là? Une seule tranche de tomate. Ah non, il veut deux tranches de tomate. On va mettre les deux côte à côte, hein. Alors on a mis le pain. Il nous manque une tranche de fromage encore. Deux tranches de fromage, il veut. Vous ne pouvez pas ajouter de fromage à cette commande.
Pourquoi elle est pas en jaune alors? Il dit pas qu'il veut 5 tranches. Il met pain grillé. Good work, kid. Now place the burger box inside the order bag. Double check it's the right one and give it to the customer. Placer la boîte hamburger à l'intérieur du sac de commande. Alors je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a des trucs en jaune, il y a des trucs en blanc. Oh, j'ai plus de gaz. Oh non, fallait éteindre. Ma poubelle. Bah oui. Oh là là. C'est bien. Ils ont dit c'était bien. On a gagné 2$ de pourboire. Mais c'est tout. Mais c'est infernal. Mais c'est un fait. Non, c'était la première partie, ne vous inquiétez pas. On va s'améliorer. My first order. I guess it runs in the family, huh? Prestige will not only let you unlock new machines for your truck, oui. It will also grant you entry to other zones of the city. Keep that in mind and take good care of it. Thanks, Clara. I don't know if I'd be able to do this on. Nouvelle commande, on fait cette commande là aussi. I think you can handle yourself from now on, but be careful. Not everyone. Mais attention, tout le monde sera pas aussi patient. Alors vite, le steak à cuire. Direct, hop, on allume. Steak à cuire, tranche de tomate et pain grillé. On veut du pain. On essaie de le faire un peu plus rapidement. Je vais d'abord de ce plateau. Les tomates, elles sont encore fraîches. On peut peut-être s'en servir. Commande là, on lui dit pas. Hein. On va faire griller ça aussi. Ton pain, il le veut comment? Son steak bleu. Oh, mais c'était cru! Et lui, bien cuit. On va faire bien cuit pour lui. Non cuit. Allez, bleu. Faut que ça devienne bleu, hein. Ah mais bleu, logiquement, c'est pas cuit. Saignante non cuite. Oh, mais comment ça descend trop vite? Oh là 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 là, mais c'est une misère. C'est une catastrophe. Ceci est une catastrophe. Il veut comment son pain? Pain grillé seulement. On va surveiller le pain. On va préparer une petite boîte. Allez, vite, bien cuit. On va y arriver. On va éteindre juste après. Hop, pain grillé. Il est pas grillé lui encore. Hop là, voilà. On va faire ça, on va mettre un steak bleu. Bien cuit, non cuite. Ce produit n'est pas prêt à être commandé. Ça doit être ça, hein. Non, bien cuit, je comprends pas pourquoi il y a marqué bleu. On va essayer comme ça. Hein. Tomate, tomate, pain. Dans la 2. Bien, 13$. C'est bien ça. Allez, va-t'en. Toi, tu veux quoi? Bien cuit. Non cuit. Pretty much what I ask for. Tranche de fromage et pain grillé. Pain grillé, coupons ça. Là. Ah mais là c'est marqué bleu. Viande bien cuite. À point. Et l'autre c'est quoi? Bleu. Hop, on va remettre un autre steak. Le pain est bon, on ne l'oublie pas cette fois. Bien cuite. Hop.
Alors on va mettre le pain du dessous. On va lui mettre 2 tranches de tomates, on en a plus. On va en recouper. On coupe. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça crame. À point. Je crois que c'était comme ça. Hein. On a fait que 3 rondelles. 2 rondelles de tomates et pain grillé. Hop, hop, hop. C'est la 3. Le conteneur, vous essayez de mettre en place manque de produits essentiels. Il manque le steak. Bleu. Voilà, c'était le 3. Moins 8. Oh, mauvais, en retard. Dans le bleu. Mais le bleu, je comprends pas. Pourquoi ça fonctionne pas tout le temps? Est-ce qu'il faut cocher le... Je comprends pas. D'ailleurs, j'ai l'option bleue, mais pas là. C'est pas grave, on va essayer comme ça. De toute façon, ils vont pas se plaindre. Hein, s'ils ont faim, ils vont manger, c'est bon. N'abusons pas. On met ça là. Ça là. Voilà, viande bleue, hop là. Là, les bleus, on est bien, on est bien, on est bien. Tomate, il me reste 2 tranches, on attend ça. On va pouvoir assembler. Il y a une tranche de fromage qui attend ici. La fraîcheur, on peut la remettre là-dedans? Oui. Impeccable. Celui-là, il va être bien fait, vous allez voir. Là, il veut juste... On va faire tomate. Steak. Tomate. Chapeau. Hop. Et ça y va, c'est parfait. 13$. Oh, c'est beau. Un steak à points. Il y a des points dessus sur le steak à points, non? Je ne sais pas. Oh, la blague de merde. Blague de merde. Allez, on se coupe ça tout de suite. Voilà, le pain, on va le faire griller un petit peu. Non cuit. On a un bleu ici. Je crois que je suis gouré de steak, non? Le bacon, la cuisson moyenne. Pain grillé. Plus de gaz déjà? Non mais, hé, mais... Ta tête, hein? J'ai pas le truc. Bacon non cuit, pain grillé. On va préparer la petite boboîte. On va mettre le pain dedans. Il est à point, il est parfait. On va mettre une tranche de fromage. Le steak dedans. Steak bleu, on va attendre, on va peut-être avoir une autre commande. Bacon cru. Bacon moyen. Allez, on se dépêche. Bacon moyen. Ça y va. Y'a pas de tomate? Non. Pour la 5, c'est parti. Parfait. 2$, bien. Mais c'est magique, c'est fantastique. Nouveau contenu disponible. Niveau du prestige augmenté. Parfait. Mais ça, c'est cool, ça. Nous, on aime débloquer des trucs. Cette chaîne. Clara, you shouldn't have. You've already done so much already. Shush, now it's what your dad would have wanted, but do visit me again. On a un steak à point. On va remettre celui-là à cuire un peu. Qu'est-ce qu'il nous demande après? Du bacon aussi. On va mettre à cuire aussi. Une tranche de fromage. On va préparer la boîte. Pain grillé, hop, ça va dedans. Pain grillé, il est là. Le steak à point. Steak à point. On peut mettre le fromage, le steak. Allez, le bacon. On va nettoyer la grille après, hein, quand même. Là, ça commence à être graillon. Hop, cuit, hop, hop, hop. Hop, hop, et on envoie et c'est parfait, on maîtrise la situation. Ah d'accord, faut astiquer. Éteignez le gris, mais bien sûr.
sûr. Allez, on a sick. Nous, on aime ça, hein, dans cette chaîne. Un peu de saleté ici. Et nous, la saleté, là. Voilà, c'est parfait, ça. Travailler dans des conditions telles que celle-ci, c'est magnifique. Retourner en ville. 57%, par contre, le gaz... Nous avons fait une journée exceptionnelle. Tous nos pains ont été vendus. Nous ne pouvons plus fabriquer d'hamburgers. Plan de la ville. Les points de vente ont des heures de fermeture et d'ouverture différentes. Ouais, une fois l'heure de fermeture atteinte, plus aucun client ne viendra. Vous devez donc tirer la meilleure partie du temps que vous disposerez. D'accord. Boîte de nuit. Je suis censé aller à la boîte de nuit. Hamburger frites. Mais il faut peut-être acheter du matos, non? D'accord, donc on verra ça pour la prochaine vidéo. Cette vidéo-là est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai passé un bon petit moment, c'était bien plaisant. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce jeu. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être marrant. En tout cas, je le répète, il sort logiquement le 15 septembre. Je devrais avoir un accès à la playtest courant août. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Devil. Ciao.